On va revenir au mariage et comme on a à nouveau Eldebaf, on va pouvoir aussi... ça doit être bientôt la caisse montée là. C'est le moment où justement tout le monde réclame les cadeaux à corps et à cri, voilà, juste avant les pièces montées, etc. Et donc tu as un espèce de gros chariot qui arrive, voilà, un gros chariot qui traîne comme ça, avec une montagne de cadeaux qui est placée là-dessus. Et tu as quelques personnes qui sont en procession derrière le chariot avec des cadeaux qu'ils veulent donner directement, en signalant que c'est eux qui l'ont donné. Okay. Et sur cette montagne de cadeaux, tu as en premier... ce qui ressort sur cette montagne de cadeaux, c'est que tu as une petite lettre sur laquelle est posé un objet rond, avec, avec un métallique, avec un symbole dessus. Rond, donc comme une pièce, quoi, pas une sphère. Ouais, mais c'est à peu près de cette taille-là. Ok. Voilà, et c'est épais, tu vois, c'est bombé un peu, c'est un peu épais, c'est bombé. Ok, un peu le genre de loupe là pour les vieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'avance vers moi? Parce que s'il y en a certains qui veulent... Non, bah en gros vous êtes tous les deux, Nirline et toi, devant. Donc on vous demande d'ouvrir quelques cadeaux du tas. Le reste vous les ouvrirez plus tard. Ce sera le travail Et la procession après prendra son cours pour vous présenter ses cadeaux. Ok. Eh ben je... Bah du coup je vais chercher là celui dont tu me parlais. Enfin je sais pas s'il est atteignable du coup. Ouais. Parce que c'est il est juste sur le dessus, effectivement. Il m'intrigue, je le regarde. Tu découvres un... Tu trouves le moyen de l'ouvrir. Et ça a l'air d'être une boussole. Ah, okay. Une boussole avec un symbole dessus, une gravure avec... Je vous ferai une description plus précise plus tard, mais... comme si je dis pas de bêtises, il y a faut que je retrouve une devise qui est mise dessus. Ok, un Lannister paie toujours ses dettes. Ah attends quoi? Non c'est pas ça. Punaise, j'ai fait une blague et j'étais mute. Ah non. Je disais que c'était une boussole qui était en euros parce qu'il y avait une devise dessus. Ah ok. Vous pouvez t'abstenir de cette blague. En fait, mais on a installé un logiciel qui est l'auto-mute. Alors, il y a écrit sur. Faire les mauvaises blagues. Il est écrit en un sur la boussole. Même dans les abysses ténébreuses, nos cœurs restent de bronze, notre volonté une flamme qui jamais ne vacille. Ok, donc ça vient des cimes de bronze, j'imagine. Et je vais te demander d'abord un test de connaissance géographie. Ok. Puis un test de sagesse. Ça, j'ai pas fait... Et ensuite, je vais te donner l'accès à la lettre qui va avec. Ok. Géographie. Alors, pour une boussole, c'est rigolo. Connaissance, compétence... Mmh. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, je l'ai pas... tu sais, je la maîtrise pas, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, en inné, ça passe comme... 5. Oh, ça vient de la mer, ça, c'est le peuple de la mer, ça. Bon, la conclusion va être un peu plus simpliste que ce que j'avais pensé. Mais en gros, tu te dis, c'est marrant, j'avais pas conscience que le nord était dans ce sens-là. On dirait un candidat de Koh-Lanta qui est. T'as Nirline à côté qui te dit. Nirline qui te dit à côté, oui, en effet, ça a l'air
plutôt d'Indiquer l'Est, de baf. Tu sais, elle est compatible, quoi. Ça me fait une petite tape sur les. Ouais, allez, c'est pas grave, t'es meilleur à lui. J'ai marié, ouais, j'ai posé ça. C'est vraiment pas le couteau le plus aiguisé. Exactement. Ah là là. Oh non, ils sont Et donc, du coup, je vais partager donc la lettre que je vais pouvoir aussi montrer sur le stream. Donc, je t'invite à la lire, Eldebaf. Tout à fait. Je vais la lire. À Eldebaf des cimes de bronze. Par-delà les pics majestueux et pas tenaces, lololol, et les vallées profondes, ton parcours a sculpté un héros au cœur intrépide, capable de conquérir les horizons lointains et d'unir des compagnons de grande valeur. Les épreuves que tu as bravées t'ont élevé au rang de chef, célébré lors de cette journée de noces devant les regards bienveillants des familles des Montcours. Mais le destin ne se plie pas à la force du marteau. Es-tu prêt à rencontrer ton destin, à marcher sur le chemin où ton passé et ton avenir se rencontreront en un écho puissant. Un chemin où, même entouré de tes plus fidèles alliés, tu devras faire face à la solitude elle-même. Un chemin qui t'éloignera des feux rassurants de ton foyer pour te plonger dans les mystères qui hantent tes pensées depuis trop longtemps. Si ton âme et ton cœur, embrasés tels une forge ardente, sont prêts à affronter les défis qui t'attendent, le moment est venu de t'engager vers l'Est. Suis l'aiguille de bronze. Je me retourne vers Nirline, celle-là, et découvre enfin le secret des Ulduenor. Car même dans les abysses ténébreuses, nos cœurs restent de bronze, notre volonté une flamme qui jamais ne vacille. Donc là, on reconnaît la devise qui était inscrite sur la boussole. Va Eldebaf, et que ton chemin résonne comme le tonnerre sur les sommets des montagnes. C'est signé G, juste G. Et il y a que ton chemin résonne sur comme le tonnerre des montagnes, douche chemin des nacres, quartier des Ulduenor. Ça a l'air d'être une adresse. Je pense aux cimes de bronze. A priori, j'aurais dit ça. Ouais. C'est la carte au trésor en fait. On verra, je suis nul en géographie, je crois que je l'ai assez bien montré comme ça, de toute façon. C'est vrai. C'est validé. Donc, okay. Effectivement, tu as cette lettre un peu mystérieuse signée d'un G qui t'est remise avec cette boussole. Et je vais te demander un test de perception, ainsi qu'à Tulix d'ailleurs, qui n'est pas très loin. Et c'est un peu mieux. Raison que je l'ai dit. Eldebaf est bourré, il a fait 6. Fin du repas, s'il est 3ème tonneau là. Tulix a fait 23. Je vais faire aussi pour Nirline, tiens. Alors Tulix, dis-moi tout. Nirline s'en sort vachement mieux. Nirline, elle a pas abusé sur la boisson. Tulix, tu repères que devant ce cadeau, tu vois que Tromgal semble un peu mal à l'aise, gêné. Ah. Tu vois qu'il a l'air un peu... Et Nirline fait un petit coup de coude à Eldebaf et un petit signe de la tête pour montrer Tromgal qui a l'air de suer légèrement et de pas forcément être très à l'aise là. Alors, est-ce qu'il est mal à l'aise parce que j'ai lu la lettre ou est-ce qu'il vient de se prendre une fléchette empoisonnée? Parce que la question se pose depuis quelques heures. Je vais me planter à côté de lui, genre sans rien dire, mais un peu genre, je regarde des pieds à la tête. Il voit que t'es arrivé à côté, il te regarde, il fait... Bonjour. Je lui montre que je vois. Joli coup, l'assassinat de l'assassin. Zgloop. Et du coup, je le remarque aussi. Du coup, ouais. Nirline prend aussi un cadeau sur la pile qu'elle ouvre, qui semble être un cadeau beaucoup plus anodin. C'est une batterie de vaisselle, semble-t-il, ou en tout cas des couverts en or, je crois. Voilà, des choses comme ça. Ah. Et bon, elle les repose et place et à une cuillère. Et nous le dira. Et c'est de qui ça vient. Il y a effectivement la procession qui du coup s'approche de vous. Ok, donc les cadeaux remis en main propre. Exactement.
Et on commence par eh bien, les elfes qui sont pressés de partir, qui s'approchent de vous et qui vous amènent en fait un espèce de petit pot avec un arbrisseau dedans, qu'ils vous déposent et ils vous disent que eh bien, cet arbre, bien qu'il soit encore jeune, a des feuilles d'une couleur particulièrement vive et bioluminescente. Il est capable de pousser et d'apporter la lumière là où l'obscurité est la plus forte. L'arbre prospérera tant que son propriétaire se montre en bonne santé. Ok, un peu lié à l'énergie vitale. Ça, c'est mon cadeau préféré. Il est trop cool. Personne. Je le veux. Et donc, du coup, il le donne notamment à Nirli. Les émissaires du Royaume du Cœur s'avancent avec divers présents, notamment un tonneau d'hydromel qu'ils annoncent comme étant le meilleur hydromel du royaume, qui est brassé à Ignazis. Et a été embouteillé par nous-mêmes il y a 3 ans. On peut voir la date d'embouteillage. Et également une pelisse très élégante pour Nirlin qui rehausse sa stature. Et enfin, un tableau magnifique issu de la collection personnelle du roi, qui représente le roi Ogdar dans sa glorieuse création du royaume des Montcours. Que je les remercie chaleureusement de ces très beaux présents. Et voilà pour... Enfin, il y a d'autres personnes qui font partie de la procession, mais pas d'aussi notable, on va dire. Ça ira bien dans le hall d'entrée, le tableau. On commence à planifier un peu. Je l'aurais plutôt Nirline, vu ça me rappelle dans la une anecdote manger, avec Elzebaf, l'hydromel et tout. Faudra aussi que je te raconte. Ah. Oui, plus tard. Et t'as l'Uridis qui te fait un petit signe, Mayal, qui fait... Ah, c'est le moment que je la donne maintenant, je pensais que c'était plus privé. Je me mets à la suite de la procession, alors. Oh, l'Uridis vient se mettre à côté de toi. Pas obligé de faire partie de la procession, tu pouvais leur tendre comme ça. Ouais. On va passer devant tout le monde, il y a un protocole quand même. Hein. Ah oui, bon. Pas froisser les invités de marque, mais bon, au pire, hein, tu passes devant. Hein. Mm. Bah, si tu me fais signe, moi je passe devant, mais. Je te fais signe. Je prends pas l'initiative de doubler tout le monde. Je vois que tu viens de te mettre dans la fuite, je regarde. Oh, bon, qu'est-ce que. D'ailleurs, avant que vous arriviez, t'as l'Uridis qui te dit et au fait, tu as suivi le conseil de ton père? Flashback. On en parlera plus tard. Oui, je crois que c'est pas trop le moment là. Et donc, du coup, Mayal et l'Uridis se présentent devant toi et te tendent un rouleau de parchemin assez grand, d'ailleurs. Je pense que ça peut aller avec ta boussole en plus, c'est génial. Et tu ouvres, et en fait, il s'agit de la carte de tout l'archipel. Ah, ok. Avec notamment aussi d'indiquer les cimes de bronze, hein, pour savoir où elles se situent. Ça va m'aider, effectivement. Et l'Uridis... Il y a une petite rose des vents dessus aussi, pour voir un peu les directions. L'Uridis te dit... Eh bien, maintenant que vous êtes roi consort et que vous avez un certain rôle diplomatique à assurer, je pense qu'il peut être intéressant de savoir vous orienter sur l'archipel et de peut-être découvrir des territoires qui vous sont inconnus. C'est fort aimable, effectivement, avec une carte et les bonnes personnes pour les lire, ça devrait être un atout de valeur d'ailleurs, exceptionnel. D'ailleurs, si vous permettez... Voilà. Ah bah oui, je me disais, parce que tout était écrit à l'envers, je disais, c'est quand même pas pratique. Très bien. Merci donc, beaucoup, je me recompose... La procession et les cadeaux se finissent. Au final, vous avez effectivement tout un tas de choses qui vous serviront à en partie meubler la maison et pouvoir accueillir des convives. Et on a tout au final, brocante, Nirline. Après,
Il y a la moitié des trucs qui les revendent. Après le repas, place à la fête un peu, hein, puisque la fête continue. Et les Reliquary Krieg interviennent à ce moment-là pour jouer un peu de leurs instruments, etc. Et vous êtes un petit peu, Irline notamment, à se demander comment ça va se passer avec le public. Mais il s'avère qu'ils sont d'abord les bras croisés en train de regarder ça, un petit peu curieux. Et puis progressivement, de liner de la tête un peu. Et au bout de la troisième, la petite liqueur spéciale. Au bout de la troisième chanson, ils sont carrément à remuer la tête d'avant en arrière et de droite à gauche, voilà, en faisant bouger leur barbe et leurs cheveux. Ça a l'air de beaucoup leur plaire. En mettant les mains en l'air, etc. Vous avez à boire, tu. Non, apparemment, au final, les Reliquary Krieg ont quand même un très bel avenir dans les Moncours et sont très bien accueillis dans les Moncours. Et puis là, on leur fait un coup de pub, hein, en plus. Hein. Pour ceux qui connaissaient pas. D'ailleurs, dans la soirée, j'ai dû faire une annonce pour la caverne. La Tania Enchantée. La caverne Enchantée, oui. La taverne, non, c'était la taverne enchantée. J'avais marqué. Non, caverne. Mais caverne. Voilà, la caverne enchantée. Très bien, ça marche. Bien pour parfait. Les placements de produits. Pour le placement de produits. Imagine la tranche de l'annonce si tu retiens pas le nom du truc. La caverne, enfin le. Enfin voilà, allez les voir. Le truc quoi. Enchanté, quoi. Wow. Eh, démerdez-vous. La boutique enchantée, là, vous connaissez. Je suis pas payé. Ah bah si. Donc voilà. Gentiment, les festivités se terminent. Les gens partent au fur et à mesure après une journée très longue qui se termine jusqu'à très tard dans la soirée et dans la nuit même. C'est un bon mariage. Et au final, Eldebaf, Nirline, vous avez été pas mal pris pendant cette journée et vous finissez enfin par avoir un peu de calme. Et à pouvoir enfin échanger avec vos camarades, notamment sur des moments où tu les as vus être plutôt absents. Pour des moments assez longs d'ailleurs, auxquels tu ne t'attendais pas. Notamment pendant ce moment un peu gênant où il y a eu l'oncle de Nirline avec Joe qui... ont apparemment loué les services d'un magicien, alors ça devait être celui de la caverne enchantée, pour faire une sorte de projection magique de souvenirs de vous, enfants, un petit peu gênants, devant toute l'assemblée. Les fameux diapos. Donc, effectivement, y a eu des moments comme ça où t'aurais bien aimé avoir le soutien de tes témoins, mais qui n'étaient pas là. On aurait bien aimé voir ça aussi. On a essayé de me tuer et en plus ils sont j'avoue, plus ça aurait là. Pu être sympa. Bah après ça dépend, il y avait forcément soit moi, soit Tulix qui devait être là. Oui, normalement. Oui, oui, vous relayez. Bah toi, moi j'ai loupé tout le mariage par contre. Mayal, t'as dû être là toi à ce moment-là, ça devait être Tulix et autres qui n'étaient pas là. Je suis contente d'avoir vu ça. Moi je suis trop préoccupée par tout ce qui se passe pour me soucier de ça en fait. Quand je suis revenue, du coup j'ai fait un bilan à Tulix par rapport au corps. Donc, et qu'il faut vraiment se méfier parce que c'est le complot, il est interne et c'est quelqu'un d'ici. Enfin, il y a quelqu'un d'ici qui l'a monté, donc il faut être hyper prudent. Du coup, je lui conseille que pendant toute la soirée il soit hyper prudent concernant Nirline. Mais vraiment de n'importe qui. Même des gardes, enfin voilà, faut vraiment se méfier de tout le monde, quoi. Rester sur le qui-vive. De toute façon. Parce que même les gardes, s'ils sont pas méchants, ils sont incompétents quand même, alors. Ils sont incompétents. Ebdor vous rassemble un peu tous, une fois que le calme est revenu. Notamment pour informer déjà Nirline et Eldebaf des différentes informations que vous lui aviez données, déjà. Et puis pour que vous fassiez un rapport un peu plus précis de cette enquête. Donc c'est l'occasion
pour vous de faire le rapport complet parce que Eldebaf n'a pas pu suivre ce qui s'est passé. On veut pas trop lui gâcher non plus sa soirée, ce serait bien qu'il profite. Non mais là c'est bon, j'ai profité. Demain, quoi. J'ai eu les cadeaux, j'ai eu le banquet, le concert. Mais c'est vrai que là les troubles au moment du début, enfin au tout début du mariage finalement. Je serais curieux de voir si vous avez un peu enquêté dessus. Je suis curieux de voir un peu vos conclusions à cette heure. Ouais, on a trouvé le chapeau de Luris. Gros indice. Ah, c'était ça, le chapeau. C'était vraiment pointu. Très intéressant, ce chapeau. Ah, c'était juste ça, en fait. C'est juste un indice que... C'est parce que Luris, elle loge à l'auberge et puis elle avait laissé son chapeau. Ah bah d'accord, ça braque la chambre. Ça braque l'auberge, ouais. Ça braque la tata. Pour rien en plus. Bon bah ok. On n'a pas fini. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bon bah ça m'inquiète pas. Mais alors l'histoire du tueur. Est-ce que vous avez des pistes? Qu'avez-vous découvert? Alors oui et non. A priori, il faut se méfier de tout le monde. Oui. Alors il y a un garde. Putain, j'ai pas pris son matricule. Il faudra que tu le vires quand même après quand tu seras roi. Il y a un mec qui est vraiment pas terrible. Qui a demandé à un mec de faire un truc. Et qu'il y a un autre mec qui a tué le mec qui a fait le truc. Je pourrais avoir ça sur papier. Ouais, heureusement qu'il parle pas de tout. C'est tout ce que j'ai pu mettre sur mon ardoise. tu fais des bonhommes bâtons avec des flèches et des croix. Suivi d'un nombre de points d'interrogation et de points d'exclamation qui expriment la totale incompréhension de Tulix face à la situation. J'ai compris qu'on n'a pas compris. Donc en gros, celui qui a essayé de tuer Myrline... Oui. ...avait fait exprès de se faire remarquer à l'auberge. Il avait pas forcément prévu de se faire tuer, tuer, entre guillemets, lors de la tentative d'assassinat, mais c'était quand même prévu qu'il meure, vu qu'il avait un plan B de poison. Malencontreusement, Tulix l'a tué avant qu'il se tue lui-même. Donc il mais a c'était pas tué mortellement. D'ingérer le poison, mais en fait, le poison a dû faire un genre de paralysie ou quelque chose comme ça, parce que pour nous, il était mort. On a même vérifié qu'il était mort, donc c'est très bizarre. Effectivement, Tulix avait vérifié et il avait pas senti de pouls. Mais en plus, t'avais pas vu d'âme dans l'église, quoi. En y réfléchissant bien. Dans l'église ? Bah, au moment où. De la cérémonie. Au temple, oui. Quand il s'est fait tuer, t'aurais dû voir. Bah, j'ai pas demandé, mais c'est fait que j'ai pas vu, mais j'ai pas demandé, donc peut-être que j'ai. Ah oui, comme le gars qui était sur les chaises la dernière fois, là. Et a priori, c'est un acupuncteur qui a tué le mort. Ça, c'est le commentaire de Alors, ça, je serais curieux de voir le pourquoi en fait, du comment. C'est clairement une punition le fait qu'il parle pas, hein. Clairement. Il disait que de la merde. Tu c'est pour me venger des Monster of the Week. Tu montes sur ta tablette un petit bonhomme bateau, il y a plein de petites étoiles autour, des petits traits. Donc, bon, je raconte. Un mauvais dictionnaire. C'était le tueur du Zodiac. D'accord. Pourquoi l'acupuncture? Il y avait des petits trous. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un est venu à une soi-disant autopsie au garde-corps et en fait, il a juste achevé l'homme qui lui a perforé le cœur et les poumons. Donc, je pense que le produit c'était censé être une paralysie. Peut-être que c'était prévu qu'il se fasse passer pour mort et que son complice le réveille plus tard et qu'il se barre et voilà. Potentiellement ça. Okay. Et en fait, clairement, il y a quelqu'un qui est dans la cité qui connaît assez bien les membres, les noms en tout cas, des membres du conseil pour pouvoir les donner. Après, je sais pas si c'est à la portée de tout le monde, mais j'imagine que tous les habitants connaissent les membres du conseil, donc je dirais qu'a priori, c'est quelqu'un qui habite à la cité, qui a été renseigné par quelqu'un qui habite à la cité. On a trouvé des mots, donc moi je donne celui que j'avais... gardé, que je t'avais montré Tulix, mais que tu j'avais gardé, avec ce complot qui était voué à être démasqué, ça faisait partie du plan, donc c'est pour ça que c'est assez inquiétant, parce que du coup, en gros, on a fait exactement ce à quoi on s'attendait, donc on sait pas ce qui nous attend d'autre, donc il faut être extrêmement prudent, et je pense ne faire confiance à personne, réellement, jusqu'à ce qu'on en sache plus. Mais même pas les gardes, enfin vraiment... Parce que d'après les mots qu'on a trouvés, l'ambassadeur, c'était pas vraiment l'ambassadeur. Quelqu'un a dû prendre ça, sa place. Ça, on sait pas, en fait. Le truc, pour moi, c'est pas ça.
Parce qu'il était teint, il n'était pas des signes. Oui, mais il pouvait se faire passer juste pour quelqu'un de là-bas, pas une personne en particulier, pas l'ambassadeur. Il aurait pu se faire passer pour quelqu'un de là-bas. Il avait le cadeau de l'ambassadeur. Alors c'est quoi, attendez, j'ai pas suivi. Pourquoi il y a l'histoire de l'ambassadeur maintenant? C'est le cadeau qui est prévu de base et c'est l'astrolabe qui se trouvait dans un coffre mimique. Donc est-ce qu'il était destiné à être. Ça aurait dû être des ferro rochers. Le cadeau de l'ambassadeur. Oh, c'est de madame, plus compliqué. J'ai du mal à suivre, je vous avoue. Alors pourquoi, faut suivre. Alors parce que vous parlez d'ambassadeur. Pourquoi l'assassin se faisait passer pour l'ambassadeur? J'ai pas compris. Pour venir à ton mariage. C'est son prétexte pour venir. Ah, c'était genre son carton d'invitation. C'était ambassadeur des cimes de bronze. C'est ça. C'est ça. Ok. D'accord. Et question. Moi, je sais pas comment ça fonctionne les mimiques, mais l'objet qu'on a trouvé dedans une fois qu'on l'avait tué, c'était l'objet qui était vraiment rangé dans le coffre. Ouais. Tout à fait. Donc c'était un objet qui était servait au mec qui est venu, et lui c'est sûr qu'il est venu par la mer, puisque c'est un astrolabe et que ça sert à la navigation. Alors tu penses pas forcément qu'il a, tu penses pas forcément qu'il s'en est servi. Et en plus on a l'itinéraire sur les papiers, il était pas venu par la mer. Il a l'air d'être tout neuf. Il avait l'air d'être neuf. Cet astrolabe. Et dans son emballage. Il avait rien de suspect, je l'ai passé à. Non, rien de suspect. Juste un astrolabe en or, particulièrement bien ouvragé. Trop bizarre. De manufacture naine, t'avais dit. Parce que de manufacture naine, oui, des nains, des cimes de bronze. Pour information complémentaire, moi je te donnerai la parole après. Pour information complémentaire, les nains des cimes de bronze sont des navigateurs reconnus. D'accord. Ah mais c'est pour ça, moi je pense que le gars, le vrai ambassadeur, il a dû se faire dézinguer par le gars qui a usurpé son identité, mais le vrai ambassadeur était déjà arrivé, il était déjà dans sa pio, il avait déjà son coffre, il avait déjà son cadeau prévu. Mangé par Mimic ? Et en fait c'est juste que l'assassin a pris sa place, il est venu l'assassiner dans sa pio ou je sais pas où, a chopé son carton d'invitation et c'est comme ça qu'il est rentré. Donc il y a sûrement le corps de l'ambassadeur qui doit être quelque part... Mais on ne sait pas si ça date dans les signes de, enfin dans les monts courts ou si c'était potentiellement avant sur le chemin. Bah non, je pense que il était déjà arrivé vu qu'il avait l'assassin, il serait pas emmerdé avec le cadeau à le ramener. Il avait juste besoin de carton pour rentrer. Je suis d'accord avec elle de baffe. Mais par contre, le truc qui est bizarre, c'est que je vous rappelle que l'aubergiste, il a dit que le mec, il est venu avec son corps. Il l'a vu, lui, le mec qui est rentré dans la chambre. Donc en théorie, il n'y a pas de... Bah, c'est ça ma question. Il a confirmé que c'était bien le gars que vous aviez vu qui est arrivé à l'auberge en tant que l'ambassadeur avec le coffre. Voilà. Donc il est mort. Ça date d'avant les Moncourt qu'il a pris la place de l'ambassadeur. Il s'était peut-être dit que s'il ne pouvait pas faire son coup au temple, il lui fallait un cadeau pour pouvoir venir à la soirée. Ou alors, on l'a déjà vu, hein, mais ça existe des objets pour remodeler le visage et des trucs comme ça. Il s'est peut-être juste fait un genre de potion de polynectar pour se faire passer par l'ambassadeur et pas éveiller les soupçons. Ça aurait pu faire effet. Par contre, quelle idée d'avoir un mimique chez soi, c'est 1000 fois suspect. Est-ce que ça fait partie du plan Ouais, le mimique, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il est... C'est un coffre fort fancy, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, parce que le mimique, il fallait rentrer un code l'astrolabe, avant. Ça veut dire que l'astrolabe servait à quelque chose. Le mimique, tu avais un emplacement de clé. Ah, donc si tu forces le truc, c'est peut-être là que ça se déclenche. C'est ça, moi j'ai tenté de. C'est un piège, quoi. Oui, mais en théorie, si t'as un objet comme ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très important pour que t'aies un coffre aussi. Il y avait le mot en plus de l'astrolabe. Il y avait quoi? L'itinéraire. Il y avait l'itinéraire. Il y avait le papier avec l'itinéraire. Ouais. C'est vrai. Potentiellement la date de retour prévue de l'ambassadeur. Qui est dans 2 jours. Et on avait des dates. Tout à fait. Et on avait des dates autour du mariage. Autour du mariage, il y a effectivement noté hébergement à l'auberge de la cheminée bleue, paiement assuré par. Par la famille royale en tant qu'ambassadeur. Il y avait des informations comme ça. Telle heure, cérémonie au temple. Telle autre heure, c'est les festivités. Et tu vois, c'était vraiment timé pour le lendemain, telle heure, reprise de la caravane en direction de Terrascon pour reprendre le bateau, etc. Et on est d'accord que du coup,
l'écriture de ce papier, l'écriture de la lettre qui dit c'est moi Zangar. Je vous ai bien vu. je vous ai bien vu. Qui dit ah, c'est vas-y, je dois choper. Et l'écriture sur le registre, aucune des trois n'est la même. Exactement. Ok. L'écriture. Si, il y a deux écritures qui sont les mêmes normalement, vu qu'il y en a qui viennent. Oui, il y a celle du papier déchiré qu'on a trouvé sur le cadavre du mec. Oui. Enfin, sur mais, le mec, mais quand il est encore sur le cadavre, c'est encore les mêmes lettres. Mais c'est une seule lettre, quoi. Que lui a reçu, potentiellement. Et qu'il a fait en deux. Voilà. Il a pris le, par la partie basse. Ok. Et vous avez des pièces à conviction qui vous attendent au corps de garde. Cela dit, Nirline et Hebdor, de leur côté, vous disent oui. Alors, tout ceci est effectivement bien compliqué. Tuligs, il va falloir qu'on trouve cet individu qui s'est fait passer pour un médecin légiste et qui est intervenu au corps de garde. Et je prends à ma charge de m'occuper de cet incompétent qui travaille oui, parce que au corps de garde. Apparemment, il nous a fourni comme description le garde que c'était un nain de taille moyenne, avec une barbe de taille moyenne, et qui était brun. T'aurais dû c'est le frapper. Tout ce qu'on sait. Je vois. Très physionomiste. Hein. La frustration. Et il nous a donné par contre comme nom du conseil... La famille des... En guise de gage... Les Phédramines. Pour pouvoir passer les Phédramines. Les Phédramines, hein, donc les Pictonas. Ah, c'est la même chose. Encore un moyen de porter accusation potentiellement sur les Pictonas. Et il y a Nirline qui prend la parole pour dire, bien, dans tout ça, je pense que l'autre point sensible, l'autre rendez-vous sensible dans les jours à venir... C'est le couronnement. Il faut qu'on avance le couronnement à deux mains, mais qu'on informe personne sauf le temple, sauf le Ul'Horde, de l'avancée du couronnement. Alors on fera les choses bien quand même. On fera en sorte que toute la population soit conviée et soit informée au moment où on lance le couronnement, mais il faut prendre de court de potentielles nouvelles tentatives d'assassinat. C'était prévu pour quand le couronnement là-bas ? Deux jours après. Ah, donc le jour du retour potentiel de l'ambassadeur prévu à la base. Et de ce fait, il pourrait être intéressant que Tuligs continue de mener l'enquête ici de son côté sur les complices qui pourraient être restés dans le royaume. Par contre. On a un ambassadeur qui a disparu et on a des relations avec les cimes de bronze qui risquent d'en pâtir. On a perdu 10 de retrouver. C'est pas de notre faute, hein. C'est pour ça qu'il parle pas. Nos frères de l'Est sont quand même parmi nos alliés les plus proches. Il serait dommage de les perdre, surtout dans ces temps troublés avec les... Voilà. Les non, perturbations mais je veux dire, qu'il y a c'est dans pas le Nord. Notre fait qu'il ait disparu, ça je veux dire. Le fait que ce ne soit pas de notre fait, on aura beau leur dire ça, si on n'a pas de preuves, c'est intervenu dans va le cadre forcément, sur ce territoire. Donc, voilà. C'est-à-dire que de leur point de vue, et on ne sait pas encore une fois quelle information ils vont recevoir, cette information peut être manipulée. De leur point de vue, il est mort chez nous. Et ça, c'est problématique. S'il est mort et s'il n'est pas juste quelque part, en espérant que... Enfin, bref. Avancer le couronnement à demain matin pourrait vous permettre de partir demain dans la journée. Tous les trois. Eldebaf, je souhaite que tu sois notre représentant diplomatique et qu'on n'envoie pas n'importe qui. Aux cimes de bronze pour pouvoir prendre la parole auprès d'eux. Et, il faut arriver avant le retour potentiel pour qu'ils se rendent pas compte que bah, il est parvenu et qu'ils commencent à lancer des accusations. Et quand bien même cette lettre que tu as reçue là est bien étrange aussi. Oui, en plus j'ai une adresse. Pourras-tu mutualiser les deux ? Ouais, tout à fait. Bon, c'est, si j'y vais, de toute façon, c'est aussi pour... à éclaircir ce courrier et un peu mieux comprendre c'est qui ce G qui signe ce cadeau. Ils aiment bien signer que d'une lettre les gens des cimes de bronze. Il y a un truc avec ça, j'ai l'impression. Faudra leur dire que ce serait bien de mettre des noms.
Ah bah c'est... Peut-être que ça coûtait trop cher. Tout l'aspect d'essayer d'être mystérieux potentiellement et de laisser quand même une piste. Je comprends pourquoi, mais effectivement, ça laisse des mystères. Pour autant, nous vous mettrons, nous ferons préparer plutôt des poneys pour vous aider à vous rendre au plus vite à Terrascon après le couronnement. Ok, très bien. Sinon, la route est un peu elle de baffe avec tout ceci. Je crois que notre lune de miel devra être reportée à une date ultérieure. Je pense que c'est effectivement pas la meilleure ambiance pour en profiter pleinement. Tout à fait. Est-ce que les abeilles, ils appellent leur lune de miel une lune de miel quand même? Les abeilles, c'est pas un peuple, hein, c'est une guilde. Mais alors, ils ont le droit de se marier et de faire des lunes de miel quand même. Ouais, tu demanderas à ta tante. Entre... Déjà, il y a la reine, il y a les abeilles, ils butinent, que ce soit des informations ou des trésors. Il y a beaucoup de choses autour du autour du champ lexical des abeilles. Leur planque, c'est des ruches. Enfin bon, bref, on a déjà pas mal creusé le sujet. Leurs céréales, c'est les miel pops. Ouais. Ils sont vraiment à fond dans le truc. Mais bon. Bref, voilà, on va, je pense, s'arrêter sur ces dernières informations. Mystérieuses. Beaucoup de mystères, quand même. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, nous pourrons faire le couronnement et votre départ pour les Moncourt, ainsi que la suite de votre enquête de votre côté. Et sur pour ce qui assassiné est, entre-temps. Ça va être un couronnement en mode Las Vegas, vite fait. Bien fait, ouais. Il y a des roues flaquettes, le gars, non? C'est Elvis qui va te mettre la couronne. Drôle de style. Et du coup, eh bien, Tulix mènera l'enquête de son côté. Et nous remercions Basile de s'être rejoint à nous pour ces deux sessions. Oh, mais c'est fini. Avec bien du plaisir. Merci beaucoup, Basile. Pour aller frapper des gens. Voilà. Peut-être qu'il peut nous accompagner. Il va casser des bouches. Ah, il a fort à faire, Tulix, ici. Je pense pas qu'il vous accompagne. Non, mais on le truste beaucoup, on va lui confier la garde rapprochée de Merlin, peut-être. Puisqu'on peut se fier à personne. Voilà. Ah, bah, tout à fait. Il vous enverra des petits courriers de temps en temps. Bah, sachant que c'est déjà ce qu'on lui a confié, hein, la garde rapprochée de Merlin. Oui, mais potentiellement, c'était peut-être juste le temps du mariage. Oui, une mission temporaire, et ouais. Et tout, mais maintenant, on l'engage à temps plein. Je vais être jaloux. Je vais mettre une ceinture de chasteté, mais à Tulix. Profite déjà de ta lune, voilà. de ta lune de miel, mais ta lune de noce. Je le mets pas à Nirlin, je le mets à Tulix. Allez hop, et hop, avec la martache, je scelle le truc. On est bon. Au moins, il aura une protection supplémentaire sur le bas. 2 points de CA. Il pourra pas se le faire manger par une mimique. Et plus 10 si tu portes que ça. J'avais déjà la barbe de fer dans mes sorts, maintenant j'aurai autre chose de fer. Tulix cul brillant, on l'appelle. Cul de fer. Il avait une cage en... Très bien. Eh bien, écoutez, il reste plus peut-être qu'à juste citer un moment dans cette session qui vous a... particulièrement marqué. Alors mon head of, ça va être vu pour toi. Le moment où j'ai installé l'application Twitch pour pouvoir me suivre au mieux. Le moment où j'ai commencé à débloquer quelques émoticônes. Enfin bon, tout ça quoi. C'était des moments incroyables. C'était fou. On va le moment où je perdais la connexion et oui, vas-y. On va commencer par Basile. Si tu peux nous donner un moment que tu as retenu, dont t'es pas forcément l'auteur d'ailleurs dans cette. Moi j'ai beaucoup aimé Maël à la salle d'autopsie, à deux doigts de mettre un coup de boule au garde, j'avoue. C'est bien scandale. J'aurais bien aimé qu'elle lui mette un coup de boule. Ça avait coupé, moi, à ce moment-là. Je crois que j'ai bien joué le garde agaçant et qui est incompétent, mais qui s'énerve parce qu'on remet en cause son incompétence. C'est pas parce que je suis petite que j'ai pas d'autorité. Très bien. Maël, du coup, vu que quelque part on t'a passer la main, quel est le moment que toi tu as retenu? La mimique, j'étais frustrée de pas être là avec le coffre, mais bon, au moins j'ai pas été attaquée. Mais sinon, ce que j'ai trouvé drôle et auquel je m'attendais pas, c'est au moment où je demande des indices sur le chapeau à Luridis et que en fait il disait son chapeau alors que j'avais pas du tout pensé que ça pouvait être son chapeau et qu'en fait vous lui aviez dérobé son chapeau.
Ah ouais, tu y avais pas pensé? Ah, je pensais que j'avais pas pensé, moi. Je pensais qu'elle pouvait donner des indices. Alors que depuis le début, je disais, mais c'est les ambassadeurs et tout qui logent à l'auberge. Donc, comme la reine des abeilles qui se fait piquer des trucs. C'est quand même. pas ouf, hein. Mais franchement, ouais, j'avais pas du tout pensé que c'était son chapeau. Elle avait l'air quelques poils un peu vexé qu'on lui ait piqué son chapeau, d'ailleurs, sur le moment. Bah, je lui ai ramené, du coup, au final. Oui, bah, je pense qu'elle, vu l'importance qu'elle porte à son chapeau, vous le faire hors RP, en fait, un des premiers équipements d'aventurier qu'elle a eu, je pense que ne pas l'avoir, elle aurait été quelque peu peinée. D'accord. Il y a un sentier, enfin elle est attachée. Ouais, c'est pas un chapeau magique ni rien, c'est juste un chapeau un peu long pour elle, dans lequel elle peut cacher des trucs et auxquels les gens pensent pas forcément quand ils la fouillent. Donc voilà, et qui la protège bien du soleil et qui est bien pratique pour quand tu voyages, quoi. Donc c'est surtout pour ça. Multifonction. Aude, de ton côté ? Moi je dirais, il y a deux trucs que j'ai bien aimé. Il y a le passage des cadeaux. Ou genre vraiment, elle de base, il est trop blonde, c'est le cas de le dire. J'ai un mode, c'est bizarre, Honor. Il a trop bu. Ah, il a un côté bizarre, quand même. Donc, c'est marrant. Et clairement, les tentatives d'utiliser ses nouveaux pouvoirs avec Magdalene en mode genre, meuf, tu peux pas m'aider, je comprends pas comment ça marche. Donc, aide-moi, s'il te plaît. J'avoue que oui, le truc de... Moi j'ai bien aimé le moment où elle t'a un peu fait une guidance sans te faire une guidance, en te disant « Bah, il aurait pas saigné autant s'il était mort depuis 3 heures. » Le sang est pas coagulé. « Bah, excuse-moi, je fais pas d'autopsie. Voilà, » Les gens, je les tue, ils saignent. Voilà, après, je sais pas. Moi. T'as plus le poids, t'attends de savoir combien... T'attends pas de... Bah, j'attends pas 3 heures pour savoir s'ils saignent encore. C'est ça. Mais en fait, c'est vrai que... ça reste une ressource particulière, Magdalene, parce que Magdalene est, je le rappelle, une... Morte. Une morte, déjà, une lanceuse de sorts qui, par ses études, s'est pas mal professionnalisée dans la nécromancie, mais a aussi, vous l'aviez vu, eu une carrière d'herboriste et d'alchimiste. Donc en poison et tout, machin, elle aurait pu... Tout ce qui est poison et médecine, elle s'y connaît beaucoup. Et tu peux lui parler en journée, quand t'es réveillé, je veux dire. En fait, le truc, c'est comme on était omnibulé par ton mariage, en fait, tout ça, vous savez rien, en fait. Vous avez juste vu que j'avais été avec Tulix filer une pierre, en mode genre, qu'est-ce qu'ils font, ils se connaissent pas. Mais en fait, j'avais pas du tout eu le temps de vous parler des trucs. C'est vrai que t'en as très peu parlé. C'est pas que t'es grave possédé. On a très très peu parlé. Que pour l'instant, pour vous, il s'est rien passé de grave le fait que je sois possédé, il m'arrive rien. Et c'est la première session depuis un moment qu'il n'y a pas eu de nuit, donc t'as pas avancé dans l'histoire de Magdalene non plus. Mais vous avez avancé dans beaucoup d'autres choses. Et Eldebaf, du coup, du peu que tu as vu, quelle scène t'as pu retenir ? Alors moi, c'est moins les scènes, mais j'ai bien aimé parler avec le chat. Parce que c'est un truc qu'on fait jamais parce qu'on prend pas le temps plus que ça parce que forcément on est en train de tourner, on est dans le truc, donc on regarde un petit peu le chat, mais on écrit jamais grand chose, quoi. Donc là je me suis un peu défoulé du coup parce que j'avais entre guillemets que ça comme interaction possible. Il jouait un peu aussi elle de base dans le chat quand même, au final, il est déjà au deuxième fût de bière ou des trucs comme ça. J'essayais, mais... Ça faisait un peu quand même la relation en mode t'es occupé dans ton banquet et nous on mène notre enquête. Oui. Et donc du coup, voilà, c'était cool de parler avec vous dans le chat, parce que vraiment c'est pas un exercice sur lequel on est forcément habitué à le faire. Comme je disais, par manque de temps et juste parce qu'on est dans la partie. Mais voilà. Donc, c'est ça que je retiendrai de cette session. Très bien. On va garder ça, hein, c'est très bien. Hein, ça incite les gens à venir dans le chat quelque part. C'est parfait. Moi, je plus sois, hein, je ne peux que dire oui. Je serai pas à la bourre comme ça à chaque fois. Moi, si je dois retenir quelques scènes, j'ai adoré effectivement l'interaction Luridice Mayal. Je trouvais très sympa et quelque part, ça m'a défoulé et en même temps, je me suis énervé contre moi-même en jouant le garde agaçant. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Sachez-le.
J'ai cru comprendre. Je ne savais plus quoi lui dire à ce pauvre garde. C'est bon, j'ai fait de l'esbrouf, c'est passé. Donc, sur ce, chers amis, eh bien, nous allons vous laisser vous remercier encore une fois d'avoir assisté à cette session, cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Rappelez-vous qu'il faut liker, partager, commenter et vous abonner. Tout ça un peu dans le désordre. En même temps. Voilà. Tout ça sur les vidéos. Toutes les vidéos, vous pouvez repasser toutes les vidéos aussi, lancer toute la playlist, partir faire autre chose, laisser la playlist tourner, la tout ça. La touche F5. Mais c'est quand même mieux d'écouter. Hein. C'est quand même mieux d'écouter, mais si vous avez déjà écouté, n'hésitez pas à relancer, hein, nous on n'est pas contre. Là vous allez vous coucher, vous laissez tourner la playlist, vous coupez le son de votre ordi. Exactement. Vous utilisez des projets pour faire ça sur les ordis de vos voisins. Dépensez pas trop d'électricité non plus, hein, on n'a qu'une planète. Ah merde. Et puis encore une fois, pensez à aller suivre les liens dans la description. Cette fois-ci, le lien de la boutique y est, hein, parce que une âme charitable m'a rappelé que en fait, il n'y avait pas le lien de la boutique dans le sur YouTube. Donc maintenant, il y a le lien de la boutique dans la description et dans toutes les descriptions de tous les épisodes. Donc n'hésitez pas à aller chercher ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va redire notre petite phrase de revoir. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. On était ravis de vous accueillir ce soir, et on sera ravis de vous accueillir le 27 mars, qui est la prochaine date de live. Allez, des bisous, à très vite, et bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dés sont jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker et partager cet épisode s'il vous a plu, et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.